Puis elle a surtourné aussi la situation. Elle est pas numéro un mondial pour rien. Et voilà, elle a été plus forte que moi. Faut accepter aussi hein, quand on perd. Donc voilà, j'étais très heureuse en tout cas de partager le podium avec Viviane et Esther parce que c'est vraiment des chouettes filles. Ouais, il y a une bonne ambiance au sein de l'escrime, l'épée chez les femmes. Oui, franchement, on se connaît toutes. Enfin, ça fait des années qu'on se voit et c'est vraiment un. Enfin, c'est en fait c'est une petite famille. Hein. C'est quand même ce qui est dingue, c'est de pouvoir connaître des gens du monde entier et se retrouver. Nous, on a 8 coupes du monde par an, donc on se retrouve quand même, enfin quasiment tous les mois. À des endroits différents dans le monde, donc franchement c'est fou et puis en fait ce qui était beau aussi à voir sur le podium c'est qu'on était contentes les unes pour les autres donc du coup c'était vraiment sympa. Alors Auriane, tu me le disais en off hein, t'as pas beaucoup dormi forcément, tout le monde sans doute, mais malgré tout ça fait quoi de se réveiller et de se dire je suis vice-championne olympique à Paris en plus? Ouais, c'est, je tu réalises là? Non, franchement je réalise pas, c'est dingue, j'ai pas de mots, c'est vraiment, ça a été une journée de dingue, ça a été, enfin ouais, non, je réalise pas. Parce que j'ai pas trop de mots. Ouais, t'as eu l'impression de, enfin le sentiment de produire ta meilleure escrime, j'ai envie de dire, sur cette journée olympique en termes vraiment de niveau d'intensité. Franchement, pas du tout. Ah ouais. J'ai l'impression que j'ai gagné mes matchs que à ma tête. Ouais. Mes touches, les spéciales, j'en ai pas mis une, je crois. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est ma tête qui m'a fait gagner. Et c'est vrai qu'on le dit souvent que c'est 80-20 et 80% dans la tête. Moi, clairement, hier, je pense que j'étais plus à 90-10. et voilà, l'énergie que le public m'a donnée, franchement, m'a tellement donné de force. Enfin, franchement, c'était fou. Bon, cette médaille d'argent, évidemment. On va voir maintenant ce que tu vaux sur un quiz, Auriane. Eh ouais, dès c'est le matin, cool, comme hein, ça. J'ai dormi 3 heures. On va voir ce que ça donne. C'est que sur les Jeux de Paris 2024. Okay. Okay. C'est un peu aussi sur l'histoire des Jeux quand même. Mais okay. On va voir ce que ça donne. Après, on va établir un petit classement entre tous les athlètes qui vont passer sur on ce plateau. On ne peut pas couper au montage si j'ai des mauvaises réponses. Ah bon, on est en direct, donc... Allez, c'est pas parti. De montage. T'es prête? Allez, c'est parti, 1 minute 30. Sachant que le tour des bras d'un homme est en moyenne de 33 cm, combien mesure celui du triple champion olympique Teddy Riner? A, 40 cm, B, 48, C, 53. 53. C'est 53, exactement. Combien de temps ont duré les premiers Jeux olympiques de l'histoire? 6 heures, 6 jours ou 6 mois? 6 jours. 6 mois. Quel est le seul pays à avoir remporté au moins une médaille d'or à chaque Olympiade d'été depuis 1896? La France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis? Les États-Unis. La Grande-Bretagne. Combien vaut une médaille d'or olympique? 600 $, 1 400 $, 3 000 $. Hein? Ouais. 600 $, 1 400 $, 3 000 $. Mais où, aux États-Unis? Eh oui. La dernière, je sais même plus. C'est 600 $. Quelle est la nationalité d'Armand Duplantis? C'est facile, champion olympique de la perche suédois à Tokyo en 2021. C'est suédoise. Quelle discipline olympique a été ouverte aux femmes aux Jeux de Londres en 2012? L'haltérophilie, la boxe ou le football? Le foot. La boxe. Ah ouais? Ouais. Quel est le premier événement sportif de l'histoire à avoir été retransmis en direct à la télévision? Les Jeux de Berlin en 36, les Jeux d'Helsinki en 52 ou les Jeux de Rome en 60? Non, 36. 36, exactement. Ça fait deux bonnes réponses. Non, 3-3. 3, j'en gratine. Quelle est la particularité du ballon utilisé en rugby fauteuil? Il est rond, il est fluorescent, il est en mousse. En mousse? Il est rond. Ah ouais? Combien de pays ont-ils participé à tous les Jeux Olympiques d'été sans exception? Aucun, 5 ou 10? 5. 5. Oh, 4 sur le gong. Magnifique, c'est pas mal. Franchement, c'est dur vos questions dur, hein. Là. Ouais, elles sont dures. Mais 4 bonnes réponses quand même, c'est pas mal. C'était 4, c'est tout? J'essaye de gratter à chaque fois. Mais en tout cas, Auriane, je sais que t'as une grosse journée qui t'attend, donc on va te laisser. On va juste prendre une petite photo. Allez, avant de terminer. D'accord, vendu. On va finir. Oh, allez, je te laisse te lever avec moi. Je vais faire le cadreur pour cette fois. Tiens, on va se mettre comme ça. Tac. Allez. On va voir si je suis un bon photographe. C'était pas du tout pour vrai. Avec des petits. Ah ouais, t'as vu, magnifique. On va la laisser un petit peu sécher. Puis, ce que je vais te demander de faire, tu vois, regarde notre décor, il est pas mal quand même. T'as toutes les photos mal, de tous les plus grands athlètes. Je vais te demander de coller ta photo où tu veux. D'accord, je te laisse un peu observer. Je vais mettre un petit peu de scotch. Hop. Tac.
Hop. Tu vas aller en train de se... Tiens. Merci. Tu as déjà une petite idée. Avec le grand fleuret d'âme. Ah, magnifique. Magnifique, ouais, les coéquipières. Ah, mais ça colle pas ton truc. T'inquiète pas, on la collera après. Ouais, ça colle pas. Non, en tout cas, je la collerai à côté des fleurettistes et plutôt on se retrouve en équipe hein, avec tes coéquipières. Et puis on te souhaite bon courage, peut-être une médaille d'or après cette belle médaille d'argent. Merci beaucoup, Ariane. Merci. Impeccable. Allez voir.